M6 est décidé à franchir un cap en matinée. Malmené par l'ensemble de ses rivales du groupe TF1, mais aussi RMC Story et RMC Découverte, la chaîne entend changer de stratégie et ne plus se contenter de multiples rediffusions à l'instar de Jane the Virgin ou Desperate Housewives, actuellement sur la grille et qui ne tiennent que par l'appui des ménagères. Une marque puissante sur RTL avec moins de 3% des téléspectateurs, Desperate Housewives n'est pas en mesure de rivaliser avec les chaînes nationales. France 2 est à un très haut niveau grâce au retour de sa fameuse trilogie des jeux, incluant l'arrivée de Laurence Boccolini aux commandes de mots de passe, tandis que TF1 peut compter sur ses feuilletons Les Feux de l'amour et Demain nous appartient pour s'installer durablement sur le podium. Le mercredi 30 octobre, les héroïnes de Wistiria Lane ont conquis 6,4% des femmes responsables des achats ainsi que 8,8% pour les épisodes du vendredi 2 octobre, sans traduire ses performances sur les 4 ans et plus, 2,7%. Dans la continuité de la fusion M6-RTL, Julien Courbet assurera un véritable marathon avec 2h30 d'antenne chaque jour. Les téléspectateurs pourront en effet suivre la version filmée de la célèbre émission « Ça peut vous arriver », qui tient depuis près de 20 ans à la radio. À la suite de ce rendez-vous, diffusé de 10h10 à 11h30, Julien Courbet sera entièrement centré sur le petit écran à travers un format inédit de 60 minutes au cours duquel il proposera une série de reportages relatifs à des difficultés rencontrées par les Français. Julien Courbet au rebond depuis qu'il a quitté C8, l'animateur doit se contenter du magazine hebdomadaire Capital tandis que le prime La Meilleure Offre, co-animé avec Stéphane Plaza, n'a pas rencontré son public en octobre 2019. Il espère imiter Cyril Lignac qui s'est rapidement imposé en dégainant, en direct lui aussi, son émission culinaire Tous en cuisine malgré un essoufflement certain depuis la rentrée.